Bonjour, bienvenue dans 101%, nous sommes mardi 22 février. On aura au sommaire une critique de jeu fort belle où ça va bastonner avec Marvel versus Capcom 3. Ensuite, mon souvenir, temps perdu et rétro et magique, mais tout de suite les news. Pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre Crysis 2, sachez que Crytek lance une démo le 1er mars sur PC. Une occasion de découvrir le multijoueur de ce FPS très dynamique. Le contenu téléchargeable sera assez sympathique puisqu'il contiendra deux cartes et deux modes de jeu, Skyline et Pier 17. Le premier correspond à du deathmatch pur alors que le second s'oriente vers le contrôle de zone. Le mode multi sera développé par Crytek UK et comportera dans sa version finale 6 modes et 12 maps à l'intérieur de New York. N'hésitez donc pas à faire un tour dans les décombres de la Grande Pomme dès le 1er mars, histoire d'enfiler votre nano-combinaison pour s'échauffer avant la sortie définitive de Crysis 2, prévue le 25 mars sur PC 360 et PS3. Après le sympathique mais techniquement imparfait Costume Quest, Double Fine et THQ lancent un nouveau titre sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network, Stacking. Ce jeu d'aventure action met en scène des poupées russes et reprend l'esthétique des vieux films muets avec ses cartons de texte, un peu à la manière des aventures de PB Winterbottom. L'idée consiste à faire s'emboîter les poupées afin d'acquérir des capacités spéciales et ainsi parvenir à sauver les membres de la famille de Charlie Blackmore. C'est donc ce dernier que le joueur incarne et il devra se confronter au baron et ses sbires, utilisant des enfants pour les forcer à travailler dans son usine. Outre sa direction artistique soignée et atypique, Stacking surprend par l'originalité de son gameplay et de ses énigmes qu'il est possible de résoudre de plusieurs façons. Un jeu intrigant sur lequel nous aurons très certainement l'occasion de revenir dans une prochaine critique. Le jeu est disponible depuis le 9 février sur Xbox Live Arcade pour 1200 points Microsoft et ne devrait plus tarder à apparaître sur le PlayStation Network si ce n'est déjà fait au moment où vous verrez cette news. Criterion poursuit sa stratégie communautaire mise en place avec Burnout Paradise pour proposer une série de packs visant à améliorer leur dernier jeu de course, Need for Speed Hot Pursuit. Bon, ces packs qui sortiront à une semaine d'intervalle à partir du 22 février ne seront pas donnés gratuitement, mais pourront être téléchargés pour 6€ environ ou 560 points Microsoft. Le premier, nommé Armé et Dangereux, comporte deux modes de jeu inédits en ligne. Ennemi public numéro 1, où un pilote sera traqué par les flics et protégé par ses pairs, ainsi que Bras de Fer, un mode Deathmatch, où chaque pilote cherchera à franchir en premier la ligne d'arrivée. Le second pack proposera trois nouvelles Lamborghini et le troisième, trois nouvelles Porsche. Eh ben dis donc, vous savez, on saigne pour vous hein, quand même. Moi aujourd'hui, par exemple, j'étais au travail et j'étais pas lavé. Oui, ça m'arrive. Je me suis dit, je ne peux pas tourner en n'étant pas lavé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une douche au travail, mais j'avais pas de serviette. Eh ben, sachez que je me suis essuyé avec l'essuie-tout quand on se lave les mains. Je trouvais ça super drôle. Voilà, c'est intéressant ce que je vous raconte. Alors regardons donc la critique de Marvel versus Capcom 3 et c'est Sengan qui nous l'a fait. Dans le monde des versus fighting, il y a en gros deux façons de voir la vie. Le réalisme, genre Virtua Fighter, Tekken, et le... Et à chaque fois que Capcom a adapté du Marvel en jeu de baston, et ce depuis l'ère des 32 bits, on a toujours été dans la quintessence du... Des personnages qui balancent des rayons d'énergie aussi gros que des Kamehameha, et des furies qui font péter tout l'écran dans un déluge d'effets spéciaux. Alors, pour la série des Marvel versus Capcom, forcément, les personnages des différents univers Capcom ont été mis à niveau pour ne pas passer pour des incapables à côté des super-héros et des super-vilains Marvel. C'est 10 ans après le second épisode de la franchise que sort enfin Marvel versus Capcom 3, Fate of Two Worlds, après avoir caressé tous les fans dans le sens du poil depuis sa première annonce en avril dernier, en dévoilant petit à petit son casting généreux. Ce nouvel épisode de la série crossover la plus too much de tous les temps sera-t-il les satisfaire? L'histoire n'est pas très développée dans le jeu lui-même, mais d'après le comic joint avec ce dernier, en voici le pitch dans les grandes lignes. Wesker est très très méchant, tout le monde le sait. Donc, il décide de contacter Magneto, Dr. Doom, Taskmaster, Super Skrull et MODOK pour les faire venir dans son monde afin qu'il le conquiert. Et on ne cherche pas à savoir comment il a pu avoir connaissance de leur existence ou les contacter, ni même pourquoi diable voudrait-il livrer son monde à des gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. C'est comme ça, c'est tout. Bref, les méchants ont quelques soucis, rapport à leurs sources d'énergie qui sont insuffisantes pour maintenir les portails dimensionnels ouverts plus de quelques instants, ce qui n'est quand même pas très pratique.
C'est alors que l'un d'entre eux eut une idée brillante. Hé, hey, les mecs! Hé, hey, si on pompait toute l'énergie discretos et Galactus? Et vous savez, le grand gars tout le temps vénère, là, qui bouffe des planètes au petit-déj. Hé, c'est un pur plan, non? Ce à quoi les autres répondirent. Ah ouais, tiens, et pas con. C'est ainsi que purent être réunies toutes les grandes figures de Capcom et de Marvel, et qu'il va falloir, pour l'empêcher de détruire la Terre, envoyer Ad Patres, un Galactus un peu ronchon, de s'être fait siphonner son cosmos sans qu'on lui demande son avis. You are nothing to me. All right. Who wants some of this? Live and let die. Commençons donc par un petit tour d'horizon des différents modes de jeu. Dans la partie offline, en plus des classiques modes arcade contre le CPU dans une série de 6 matchs suivis d'un combat contre Galactus et versus contre un autre joueur humain en local, Marvel vs Capcom 3 propose également un mode training dans lequel vous pourrez vous entraîner à loisir afin de perfectionner vos combos et un mode mission grâce auquel vous apprendrez à réaliser les coups et des combos de plus en plus élaborés pour chaque personnage du jeu. Nous n'avons malheureusement pas eu la possibilité de nous essayer à la partie online du jeu dans le cadre de cette critique. Pour ce qui est du système de jeu proprement dit, Marvel vs Capcom 3 se résume comme son prédécesseur à des affrontements en équipe de 3 contre 3. No one's dying on my watch. Les commandes de Marvel vs Capcom 3 sont très simples et consistent principalement en 4 boutons. L'un dédié aux attaques faibles, un deuxième aux attaques moyennes et un troisième aux attaques fortes. Et le quatrième aux attaques spéciales qui projettent l'ennemi dans les airs lorsque vous êtes au sol ou au contraire le jette à terre si vous êtes en plein saut. À cela s'ajoutent les gâchettes qui vous serviront à appeler l'un ou l'autre de vos partenaires à la rescousse pour un appui court ou à le faire vous remplacer en appuyant longuement sur la touche. Voilà pour les bases du gameplay, qui rappelle fortement celui de Tatsunoko vs Capcom, par sa simplicité, en oubliant la sacro-sainte double trinité de Capcom, point faible, moyen et fort, et pied faible, moyen et fort. Toujours dans la sensation de tous les personnages s'exécutent avec les mêmes commandes, quart de cercle avant, quart de cercle arrière, dragon, etc. Et la même chose pour les Fury, mais en enfonçant 2 touches d'attaque simultanément au lieu d'une seule. Le mode de commande simplifié, présent depuis les débuts de la série, est toujours là pour les néophytes. Mais force est de constater que les commandes de base sont suffisamment accessibles pour être utilisées par tous. Bien sûr, la portée, puissance et fonction des mouvements déclenchés par ces manipulations diffèrent selon chaque personnage, ce qui les rend tous différents à diriger au combat. Vous disposez dans votre panoplie courante de 2 autres techniques, l'une offensive et l'autre défensive. En appelant vos 2 partenaires en même temps, vous lancerez une dévastatrice attaque combinée à 3. En appuyant sur les 3 boutons d'attaque au moment où un coup adverse touche votre garde, vous activerez l'Advancing Guard qui repoussera votre adversaire à distance et annulera tout dégât de blocage que vous auriez normalement dû subir. Et enfin, dans les cas d'urgence, vous pourrez passer une fois par match en X-Factor en appuyant simultanément sur les 4 boutons d'attaque. Votre personnage sera alors entouré d'une aura rouge et il sera plus résistant, plus rapide, infligera plus de dégâts, pourra enchaîner ses attaques plus facilement et ne subira aucun dégât en bloquant les coups de son adversaire. La durée ainsi que la puissance de cet état est déterminée par le nombre de combattants restant dans l'équipe au moment où vous l'activez. You win. Marvel vs Capcom 3 est très beau, les combattants bougent vite et bien, les combats sont speed et dynamiques et ça pète de partout à la moindre occasion. Le spectacle et le divertissement sont bel et bien là. Chaque personnage dispose de son propre thème et chaque remplacement de combattant fait jouer le thème du dernier arrivant, ce qui apporte à l'apparition de chacun sur le champ de bataille une classe et un charisme indéniables. Le roster est beaucoup plus réduit que celui de Marvel vs Capcom 2. 36 personnages, dont 4 à débloquer au lieu de 56 précédemment. Mais il n'y a que peu ou pas de doublons, mis à part par exemple Wolverine et X-23, ou encore Akuma et Ryu, qui ont des styles de combat assez proches, même si au final la différence entre eux se fait nettement sentir. Néanmoins, la plupart des combattants sont bien choisis et s'intègrent sans problème dans ce crossover. On ignorera le cas Chris Redfield, qui serait pour l'auteur de ces lignes plus à sa place en caméo dans un décor, qu'à faire son kung-fu lance-grenade rafale de mitraillette bizarre qui ne ressemble à rien en face de vrais guerriers. À la limite, Wesker, ok, c'est un surhomme, tout ça, quoi, mais Chris, enfin, quoi, Chris, quoi. Faut arrêter de vouloir mettre du Resident Evil partout, là, monsieur Capcom, parce que parfois, ça n'a juste pas de sens. Bon, sinon, pour revenir dans les choses bien, on peut choisir la langue parlée par chaque personnage de Capcom, ceux de Marvel étant bien évidemment forcément anglophones. Pour ce faire, vous pourrez décider au cas par cas, mais aussi selon différents presets, tout en anglais, tout en japonais, ou selon la série d'origine. Ce qui est sans doute le choix le plus recommandable pour la cohérence de l'ensemble.
La relative simplicité de la prise en main permet de s'amuser dès les premières parties. Et l'on apprend vite à réaliser quelques combos, ce qui en fait un jeu parfait pour jouer entre amis sans prise de tête. Mais Marvel vs Capcom 3 comporte également une grande profondeur si l'on veut par exemple exploiter les assists des partenaires à leur juste valeur, pour infliger encore plus de dégâts à l'adversaire et sortir des combos totalement abusés. Il vous faudra y passer beaucoup de temps si vous voulez acquérir un bon niveau. Pour conclure, si vous appréciez les combats qui donnent dans la surenchère, Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds est donc un excellent investissement. Que vous y jouiez sérieusement ou en dilettante, vous passerez à coup sûr un excellent moment en compagnie de tous les combattants du jeu. Hey! Yeah, you! I'm down here busting my ass while you sit on yours watching me jump around? How is that fair? C'était rigolo ce truc parce qu'en plus ça, comme ça, j'ai pu faire. Parce que c'est grand, ça doit faire 15 ou 20 mètres. Alors j'ai pu me momifier. C'était marrant. Puis j'ai appris deux nouveaux mots aussi. Appétant et verbatim. Mais ça, c'est pas très grave. Ou alors je vous le dis. Après, c'est du même calibre que impactant, institutionnel et tout ça. Mais regardons mon souvenir. Captain Blood, parce que je me souviens que c'est un jeu auquel j'ai rien compris, mais de toute façon je m'en fichais parce que je dépassais pas l'écran titre. J'écoutais juste la musique en boucle. Déjà à l'époque j'étais un grand fan de Jean-Michel Jarre, enfin un petit fan jeune de Jean-Michel Jarre et donc je regardais cet écran titre et j'écoutais cette musique. C'était sur Amstrad 6128+, donc elle est très différente de la version Atari, beaucoup plus éloignée de la version originale. Parce que justement, c'est à partir d'un morceau de Jean-Michel Jarre. Et donc un jour, pour dire, j'écoutais la musique, je regardais même pas le texte qui était marqué à l'écran. Et un jour, je regarde en bas et c'est marqué « Musique par Jean-Michel Jarre ». Et là, je suis juste abasourdi. C'est génial. Et voilà, c'était. Mais j'ai vraiment rien compris à ce jeu. Il y a quelques temps, nous avions vu ici même des mots spécifiques au langage commercial que l'on utilise dans les films institutionnels. Il y avait entre autres Wow Effect, Impactant. Et ben donc j'en ai appris un nouveau qui s'appelle Appétant. Et Appétant donc fait référence à un film qui parle de produits que l'on consomme, comme un yaourt par exemple. Alors, en gros, le but est de que le film soit extrêmement appétissant et qu'on a envie de bouffer le produit que l'on présente. Alors, ce qui est rigolo, c'est pourquoi on ne parle pas de film appétissant, je ne sais pas. C'est donc un film appétant, c'est sans doute parce que les commerciaux s'ennuient et il faut qu'ils ne se comprennent que entre eux. En tout cas, la question que je me pose, c'est si je fais un film érotique, est-ce que je peux parler d'un film appétant dans ce moment-là? Je ne sais pas. Enfin bon, bref, temps perdu. Bonjour, vous avez des enfants, mais vous devez faire des heures supplémentaires, donc il vous faut une nounou. Mais alors, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Le rétro, c'est bien, la preuve, tout le monde s'y met. D'ailleurs, avec un peu de recul, on comprend mieux pourquoi toutes les grosses sociétés de jeux vidéo nous bassinaient il y a quelques années en nous expliquant que les émulateurs, c'est mal. Effectivement, on ne se doutait pas à l'époque qu'ils nous revendraient aujourd'hui des jeux que nous avions déjà achetés 15 ans auparavant. Mais heureusement, le rétro, c'est aussi des passionnés qui décident non pas de ressortir un vieux truc, mais de faire à manière d'eux. Et en effet, quand on voit cette petite merveille de Great Gatsby, on replonge sans difficulté dans l'univers NES de notre enfance.
Alors oui, on pourra lui reprocher une beaucoup trop courte durée de vie, mais avec un peu de chance, cela vous donnera peut-être l'envie de lire le roman de Francis Scott Fitzgerald dont est inspiré le jeu. Après tout, ça vous changera un peu. Il y a des styles de jeu que l'on voit tellement souvent qu'à force on en vient à les éviter. Que ce soit les Tower Defense, les Escape Room et surtout les « je te balance super loin pour que tu rebondisses sur des trucs et que je gagne de l'argent pour acheter des upgrades qui me permettront d'aller plus loin pour gagner encore plus d'argent pour acheter encore des upgrades, le tout pendant des heures ». Alors du coup, les développeurs se dissimulent derrière de zoulis habillages pour vous faire penser à un jeu de plateforme ou d'aventure, et là, naïf, vous cliquez bêtement sur Start et c'est parti pour balancer super loin une torche pour qu'il rebondisse sur des bons boursons et qu'il gagne de l'argent pour acheter des upgrades qui lui permettront d'aller plus loin pour gagner encore plus d'argent pour acheter encore des upgrades, le tout pendant des heures. Alors ok, on l'a déjà fait des dizaines de fois, mais il faut bien avouer qu'ici, bah ça a de la gueule et qu'on retombe une fois de plus dans le piège avec plaisir. Voilà. Parfois, après une dure journée de labeur, on est fatigué, alors forcément quand on tombe sur des trucs qui clignotent dans tous les sens, eh ben ça fait mal à la tête. Et c'est carrément le cas avec Cosmic Commander. Comme dans tout bon schmup qui se respecte, il faut tirer sur tout ce qui bouge et éviter des boulettes. Mais alors, toutes les boulettes, et des boulettes, y en a beaucoup, trop, vraiment trop. Alors on en prend plein les yeux, nos nerfs en prennent un sérieux coup, et au bout d'une simple partie, on craque, on jette son clavier à l'autre bout de la pièce, voilà quoi. Sympa mais un peu stressant. Moins stressant donc, moins long, Attractor vous demande d'expédier des particules dans des trous noirs. Pour cela, vous pouvez, suivant les niveaux, activer des cellules qui attirent les particules et d'autres qui repoussent les particules. Voilà, simple, reposant, pas très long mais tellement bon. Non, moi ce que je vois c'est que l'hiver c'est bien gentil mais ça commence à fatiguer sérieusement comme dirait Philippe. On a besoin de soleil, de repos, de calme, de vacances, qu'on ne peut pas se payer, bien sûr, mais bon, quoi. Alors, lorsque je tombe sur Sundrop, c'est que du bonheur. Vous devez récupérer des perles. Pour cela, vous balancez des rayons de soleil ronds. Et histoire que ça ne soit pas trop facile, votre nombre de rayons est limité. À vous donc de faire en sorte qu'après votre tir, le petit soleil retombe sur le canot qui flotte à la surface de l'eau. Ajoutez à cela des bumpers, des bonus en tout genre, et voilà le digestif idéal pour votre fin de journée. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a plein, mais alors plein de niveaux, puis aussi un survival mode, un time attack, et pour les plus flemmards, un kid mode. Bref, du bonheur chronophagique à l'appel, ce qui tombe bien, n'est-ce pas, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Et j'ai donc appris un nouveau mot, puisque décidément vous saurez tout de ma vie ou moins de ce qui s'est passé cette semaine. C'est le mot verbatim. Alors verbatim c'est quoi? C'est une interview, ou plutôt un témoignage de gens. Alors pourquoi on appelle pas ça une interview? Je ne sais pas. C'est sans doute pour que... je ne sais pas bien d'ailleurs pourquoi. Mais sachez qu'a priori ça vient d'un mot latin. Mais oui. Et que décidément donc il n'y a pas que les CD de la même marque qui existent avec ce mot-là. Eh ben c'était très intéressant et je vous propose de regarder Retro and Magic qui sont sur les Shoes and Up PC des vieux, je crois que c'est des vieux jeux, ouais. À plus tard. Le shoot'em up est un genre qui a fait les beaux jours des salles d'arcade et des consoles comme la PC Engine. Mais il existe également des shooters moins connus et pourtant tout aussi réussis sur ordinateur. En voici quelques-uns parmi tant d'autres. Zone 66 n'est pas le plus mémorable des titres dont nous allons parler aujourd'hui, mais il s'agit néanmoins d'un titre innovant. Il s'agit en effet d'un des premiers shoot'em up à s'affranchir du scrolling unidirectionnel. Dans Zone 66, le joueur dirige son vaisseau à 360 degrés et a un contrôle total sur sa vitesse. Ce qui ne rend pas nécessairement le jeu plus simple. Le joueur a à sa disposition diverses armes, comme des missiles ou des bombes, et doit faire face à des ennemis aéroportés ou au sol. Zone 66 était développé par Renaissance, un groupe issu de la démo scene, ce qui se ressent notamment au niveau de la musique particulièrement entraînante. Par contre, on essaiera d'oublier au plus vite l'intro qui se veut typé manga, mais simplement à vomir.
Raptor est assez peu connu du grand public, mais est pourtant régulièrement cité parmi les meilleurs shoot'em up de tous les temps. Développé par Cygnus Studios et publié sous forme de shareware par Apogee, le titre place le joueur dans la peau du pilote du Raptor, vaisseau spatial au design inspiré tant par l'Eurofighter Typhoon que par le F-18 Horn de l'US Air Force. Le joueur est un mercenaire, louant ses services et son avion à des méga-corporations pour combattre ceux qui menacent leurs intérêts. Raptor est un shoot'em up en scrolling vertical. Des vagues d'ennemis arrivent par le haut de l'écran, que le joueur doit réduire en miettes en tirant dessus. La particularité du titre de Cygnus Studios vient du fait qu'accomplir les missions et abattre certains ennemis rapporte des crédits, du cash qui permet d'améliorer son appareil et son armement entre deux missions. Pas moins de 14 armes différentes sont à la disposition du joueur. De plus, contrairement à d'autres shooters, le vaisseau n'est pas détruit dès le premier impact. Le Raptor possède en effet un bouclier, en d'autres termes, une barre de vie. Le jeu est divisé en 3 secteurs, divisés eux-mêmes en plusieurs missions pour un total de 27 niveaux. Chaque secteur possède un univers graphique propre, et au moment de sa sortie, Raptor était l'un des shoot'em up les plus réussis d'un point de vue graphique, tout support confondu. Les stages étaient variés et bourrés de détails, le design des ennemis était très soigné sans être particulièrement original. Si l'on ajoute à cela la qualité de la bande-son, on comprend comment Raptor est rapidement devenu la référence du genre sur PC. Le jeu a certes vieilli, mais reste fun et efficace encore aujourd'hui. Un an plus tard, un autre titre va lui aussi marquer de son empreinte le shoot'em up PC. Il s'agit de Tyrian. Développé par une équipe de 11 personnes, Tyrian est publié en 1995 par Epic Mega Games. Le jeu se place dans la lignée de titres tels que Zanac, un célèbre shoot'em up de Compile sorti sur MSX, et son style graphique rappelle l'âge d'or de l'Amiga. Au cœur du projet, trois hommes, le programmeur Jason Emery, le graphiste Daniel Cook et le compositeur Alexander Brandon, futur compositeur de la saga Unreal. Tyrian fut leur tout premier jeu vidéo. Tyrian place le joueur dans la peau de Trent Hawkins, le pilote d'un petit vaisseau dédié à la terraformation de la planète Tyrian pour le compte des Azudras, une race d'hommes lézards sympathiques. Trent assiste à l'assassinat de son ami Kézilak, un Azudra, par les sbires de la corporation Microsol. Microsol utilise la terraformation de Tyrian comme couverture pour la production d'une flotte de vaisseaux de guerre. Désormais traqué, Trent parvient à voler un chasseur et tente de fuir Tyrian pour atteindre le monde libre de Savara. On retrouve dans Tyrian certaines idées esquissées par Raptor, comme le bouclier ou la customisation du vaisseau, qui est cette fois-ci beaucoup plus poussée. Choix du moteur, des boucliers, des armes, différents modèles de vaisseaux deviennent par la suite accessibles. Autre grande idée, l'existence de cubes de données que l'on peut trouver en abattant certains ennemis et qui viennent étoffer le scénario complexe du jeu et les motivations de différents protagonistes. Tyrian rencontrera un joli succès et ses auteurs le ressortiront dans une version améliorée en 1999 sous le nom Tyrian 2000. Depuis 2004, le jeu est freeware, aucune excuse pour ne pas l'essayer donc. On s'écarte du cadre strictement PC, mais il faut noter que les développeurs de Tyrian avaient pour projet des versions Game Boy et Game Boy Advance de leur jeu. Ces versions ne dépassèrent pas le cadre de la démo technique, faute d'avoir trouvé d'éditeur, mais les ROM peuvent être téléchargées librement sur le site du développeur pour les curieux. Dans un tout autre style, mais tout aussi réussi et addictif, Epic Mega Games publia également Firefight, un jeu développé par le studio Chaosworks. Firefight n'est pas sans rappeler la série des Desert Strike d'Electronic Arts, dont on parlait il y a quelques semaines dans Retro and Magic. Il se pose également comme le successeur spirituel de Zone 66. Comme dans Zone 66, on dirige son vaisseau en vue du dessus à 360 degrés, et il faut accomplir divers objectifs dans des niveaux souvent vastes. L'un des points forts de Firefight est la qualité de ses graphismes, à base de sprites en 3D précalculés comme c'était la mode à l'époque. Les vaisseaux et les bâtiments explosent, la jungle prend feu, la pluie tombe à verse, le tonnerre gronde, bref, l'ambiance est au rendez-vous. Le jeu est rapidement difficile, puisque pour survivre, le joueur devra avoir une connaissance sans faille du terrain et savoir économiser ses munitions. Heureusement, il est toujours possible de trouver des bonus d'armement ou de boucliers en cours de mission. Doté d'une maniabilité sans faille, Firefight avait tout pour devenir un hit. Malheureusement, il passa totalement inaperçu. C'est donc un titre à redécouvrir d'urgence. À partir du postulat le plus simple qui soit, le shoot'em up s'est décliné sur diverses plateformes au travers de titres repoussant toujours un peu plus les limites du genre. Le PC n'y fait pas exception, et les quelques jeux présentés dans cette émission ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
C'était une bien belle émission. Vous avez appris plein de choses sur ma vie. Surtout, si vous voulez en savoir plus, ne cherchez pas, il n'y a pas d'autre moyen. Je vous embrasse et je vous dis à après-demain. Après demain. Eh ben.